Sôm chơi anh coi chờ. Please be seated. The trial chamber declares the resumption of la the hearing. De première instance reprend l'audience. The greffiers, have you already verified the list of parties and je demande aux greffiers s'ils ont vérifié quelles étaient les parties so présentes. It can be recorded in the transcript. Du compte I would rendu. Like to ask the detention facility officials to et je demande aussi bring aux responsables du centre de détention to the dock. D'amener l'accusé à la barre. You may sit down. Veuillez vous asseoir. Next, the chamber would like to inform the co-prosecutors that the co-prosecutors now could make a brief opening statement of the charges against the accused in line with Rule 89b2 if the co-prosecutors wish to do so. The trial chamber would limit 2 hours for that. Vous avez you now pour take ce faire the floor. 2 heures, je vous en prie. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, we, the co-prosecutors of the extraordinary chambers in the courts of Cambodia, would like to make a brief opening statement of charges against Duch, faire un bref exposé concernant the head of the S21 office, Duch, having seen the criminal case filed number 002, dated 14 August 2006, noting and reviewing case filed number 001, dated 18 July 2007, of the Office of the Co-Investigating Judges, en date du 18 juillet 2007, which is dated on the 18th of July 2007 by such office, having considered Article 1 of the Law on the Establishment of the Extraordinary Chambers in the Court of Cambodia, having considered Rule 66.5 of the ECCC Internal Rules and the Intérieur. Conclusion of the judicial investigation, et les conclusions de l'instruction, noting the case file forwarded to the Office of the Co-Prosecutors, dated 23 June 2008, find the following facts. Nous relevons les faits suivants. For 30 years, 1.5 million victims of the Khmer Rouge have been demanding justice for their suffering. Ont attendu que justice leur soit rendue pour leur souffrance. Years, depuis 30 ans, survivors les of survivants Cambodia du Kampuchea démocratique have been waiting for attendent accountability. Que les responsables rendent des comptes. For 30 years, et depuis 30 ans, a whole generation une of génération Cambodians entière have been struggling de Cambodgiens to get answers cherche à obtenir about their des family's réponses fate sur le sort de leur famille. Well, today, in this courtroom, aujourd'hui,
dans cette before salle the Cambodian people devant le peuple and the world, et devant le monde, at long last, this process begins. Commence enfin. And justice will be done. Et justice sera rendue. The government of Cambodia itself, struggling with the Khmer Rouge legacy, est en prise lui-même and avec the international community, et la communauté internationale that for so long qui a si failed longtemps the people fait of Cambodia, au peuple cambodgien, have finally recognized that enfin justice must prevail la justice doit and that there cannot be impunity for the worst of crimes. Des crimes ne peuvent rester impunis, even after 30 years. Même après 30 ans. Circumstances have dictated les circonstances that veulent this process que ce processus must start with the trial of this avec accused. Le procès de Duch. Your Honor, you are Madame, called Messieurs upon juges, to decide the guilt votre or innocence of one man vous prononcer and sur only la culpabilité for the crimes ou l'innocence d'un with homme, which he is et charged. Uniquement pour les crimes qui lui sont reprochés. He must not il be ne doit judged pas être jugé for the crimes pour les crimes of others, par d'autres, nor for his pas plus beliefs, que pour ses convictions or membership ou in son a group, appartenance à un groupe. But for the victimization of mais others on a massive scale les crimes for which he is legally massive, responsible. But contre de nombreuses victimes et lest crimes we dont forget, il est pénalement your responsable. Honors, you are also called upon to determine before cela pas tout, vous aurez how aussi à and why this man avant tout was allowed to commit those crimes. L'accusé a pu commettre ces crimes. You will need to do this because vous the law calls for it, non seulement parce que but also le because droit history l'exige. Demands it. Mais aussi parce que l'histoire beyond this one case, au-delà de ce and beyond procès the day-to-day business et of this one trial, de la routine throughout, de la we must never forget that nous ne devons jamais it oublier is the purpose of que courts, la raison d'être such as this one, d'un to tribunal establish comme celui-ci the truth, est unflinchingly, la vérité without fear, sans faillir, restrictions or prejudice, et sans crainte, so that humankind may learn, de sorte que and l'humanité puisse tirer not be repeated. La leçon in this search des for enseignements the truth, we, the co-prosecutors, et que l'histoire ne se répète will pas. Assist the trial chamber dans cette quête de la vérité, nous, les co-procureurs, allons vous aider au mieux de notre capacité, tout en restant conscients de notre responsabilité to prove the qui guilt est de of the accused prouver la culpabilité de l'accusé beyond reasonable au-delà doubt. De tout doute raisonnable. We submit that et nous the disons evidence que of this case, les éléments contenus some au of which dossier we will now dont highlight nous allons mettre for en you will indeed satisfy that burden on all counts à ce critère pour tous les chefs d'inculpation. We wish to draw nous your souhaitons attention appeler votre attention and expand upon some of the evidence gathered certains des éléments de in preuve the case contenus dans le dossier not to repeat the facts et les développer. Non as pas let pour out répéter in the les faits qui sont déjà énoncés dans l'ordonnance de renvoi, but rather mais plutôt to underline mettre en lumière some of the evidence certains de ces and éléments the links et les liens conclusions et conclusions can be drawn from que l'on peut that evidence. Inférer de ces éléments de preuve. We will therefore nous allons par conséquent examiner le contexte in which the dans lequel les crimes commis occurred. À S21 l'ont été. We will then speak to the ensuite, role of the accused nous parlerons du rôle de l'accusé and his responsibility for the commission dans la of those crimes crime before concluding avant de conclure on some of the legal aspects relevant to that responsibility pertinent au regard de cette responsabilité. Obviously, what we are about to state are et simply de toute évidence, arguments ce que nous allons énoncer sont des arguments and your judgment que nous avançons et il vous appartiendra validate, à vous validate de those arguments valider or not. Ou de ne pas valider ces arguments. Furthermore, de plus, you, the chamber will determine la chambre if the facts devra déterminer si les faits sont effectivement corroborés par les éléments de what preuve if any of that evidence et may be taken déterminer into account. Quelles
sont les éléments de preuve parmi ceux-ci qui doivent être pris en compte. S21 formed an integral and indeed a vital part of a widespread and systematic attack on the entire population of Cambodia. Contre la population entière de Cambodge. Cette attaque was the implementation of a plan représente la mise en œuvre d'un plan concerté par la direction du Parti communiste du Kampuchea et exécuté before the bien inception avant la création de S21. As a subordinate en tant que of this leadership, subordonné de acting cette on their direction, and in furtherance en of tant those qu'agent policies, d'exécution de leurs ordres the accused et crimes de leur politique, were part of this attack. L'accusé a commis des crimes qui s'inscrivent dans le cadre Your de honors, cette attaque. The Communist Party of Kampuchea was born on 13 September 1960 in the Phnom Penh railway station. Elected Nguyen Chi as Deputy Secretary of the Party and made Popol and Insari a member of the Central Committee of the Party. Et que in 1963, Pol Pot est devenu Salot Saw, alias Popot, became secretary of the party. Pseudonyme soon, de to the Cambodian people and the world, they would be known as the Khmer Rouge. Et ce sont eux qui the Khmer Rouge's ont été immediate objective Khmer Rouge. Was to foment a political movement to combat federalism and imperialism in order to build up the strength to later launch an armed struggle to overthrow the Sihanouk regime and drive Western influence out of the country. L'influence occidentale their ultimate goal au Cambodge. Was the establishment of a pure communist society, unlike any since before, comme on although the pas Stalinist, encore, même Chinese, si and Vietnamese models did influence the Khmer communists. Ont bel et bien influencé les communistes Khmer. The communist rebellion grew la slowly, communiste but grandissait the Republican donc, coup d'état against Prince Sihanouk in 1970 changed en everything. Responding to the former king's calls to rise up against Lun Nol, people all over the country joined the revolution. Et c'est à la suite de cet appel almost que overnight, des Cambodgiens partout dans le pays ont rejoint les rangs de la révolution. Du jour au lendemain, to pratiquement, les forces Khmer Rouge sont passées de quelques the milliers à des dizaines de milliers. Par ailleurs, l'intensification des bombardements aériens américains a aussi contribué à pousser les paysans déçus dans les bras de la révolution Khmer Rouge. Gradually expanding the areas it controlled, élargissant in the guise of a coalition of opposition forces, finally entered Phnom Penh on 17 April 1975. The nightmare of the Cambodian people was about to begin. Date à laquelle le cauchemar du peuple cambodgien a commencé. Some then, and perhaps still now, ce jour, à l'époque, comme peut-être encore aujourd'hui, certains ont pu soutenir que les Khmer Rouges avaient pris le pouvoir avec les meilleures intentions, mais que les choses ont très mal tourné. Cela n'est tout simplement pas vrai. From the very beginning, dès le début, as evidenced comme il by its comme policies il ressort des in the politiques zones, appliquées par les Khmer Rouges dans les zones it controlled before April 1975. The Khmer Rouge leadership was intent on ridding itself de se débarrasser of its perceived enemies comme ses ennemis and placed little value in human rights or life aux droits de l'homme ou à la vie même. As one of its infamous slogans so chillingly foretold, slogan to kill you is no gain, to destroy you is no loss. Gagner en vous gardant et rien à perdre en vous even éliminant. Today, despite même over 30 years of study, après it is still hard to grasp Khmer Rouge, the extent of the fundamental changes undertaken by the Khmer Rouge, Khmer Rouge and the ruthlessness and efficiency with which it carried out its utopian leur social engineering experiment. De transformation de la société. Once the Khmer Rouge took Khmer over Cambodia,
They instituted a regimented political hierarchy une hiérarchie politique into sections and various subsections entre sections et sous-sections. The following DKR map shows the political hierarchy of democratic Cambodia. The six zones seen here were the largest and most powerful sections et les plus importantes et les plus puissantes. The zones were then subdivided into sectors, which were further subdivided into districts. Districts were composed of several communes or sub-districts. Ou sous-district. The DK political map. It is zoned, which reported to the standing committee of the CPK. La zone rentrée directement compte au comité permanent du Parti communiste de Cambodge. Region is painted in different colors. Et les secteurs indépendants ou autonomes. This is the southwest zone. Apparaissent en de identified by its par exemple, DK era code. Identifié par son code de this is the region 13, which reported to Southwest Zone leadership. From this strict dividing of Cambodia into grâce à cette areas, vision très stricte du Cambodge the CPK en zone was able to implement its criminal policies by disseminating orders down through the hierarchy. This structure also allowed the CPK Central Committee. Cette structure a permis au comité central du PCK Mr. President, can we, I apologize, can we suspend one second? We have here to have a technical problem. We want to present to you and to everybody else apparently some slides that are not showing up on everybody's monitor. So might as well get that on the way right now. So if we could suspend maybe 5 minutes while we are trying to assemble. The President. Yes, I agree. Please, the IT, can you resolve the problem for the co-prosecutors? Service informatique de régler ce problème. I just want to assure that it worked well when we tried it out. Le procureur, nous avons déjà fait l'essai précédemment et tout fonctionnait bien. C'est un problème technique qui se pose maintenant qui était imprévu. President, may the co-prosecutor continue. Le président, je vous prie de poursuivre. Merci, la co-procureure, est-ce que vous voyez bien l'image à l'écran maintenant? Can I suggest as a Monsieur Petit. Is it back on? Okay. Est-ce que l'image apparaît bien sur l'écran? The President, oui, please oui. The co-procureur continue je your vous en prie, Madame statement. The co-procureur, Your Honor, would please Monsieur allow Président, me Madame to continue le juge, from the first donc. Picture. Once the Khmer Rouge took over Cambodia, they instituted a regimented political hierarchy je reviens donc un peu en arrière. Quand les Khmer Rouges, disais-je, ont pris le Cambodge, ils ont mis en place une hiérarchie politique qui subdivisait le pays en sections et sous-sections. Et ce que vous voyez maintenant à l'écran est une carte de l'époque du Cambodge démocratique qui montre cette hiérarchie politique. The six zones seen vous voyez here. Six zones were the largest qui représentent and most powerful les entités sections. Les plus grandes et les plus puissantes. The zones were ces then zones subdivided sont into subdivisées sectors, en secteurs, which were further elles-mêmes subdivided subdivisées into en districts, lesquels districts were composed étaient composés of several communes de plusieurs communes or sub-districts. Ou sous-districts.
This is a diagram of the Democratic Cambodia structures. À l'écran, il s'agit d'un organigramme représentant cette organisation géographique de l'independent or autonomous region is painted in different colors. Permanent du example, PCK, this is the southwest zone. Quelques secteurs indépendants identified by its DKR code. Ainsi, vous voyez à l'écran la zone sud-ouest identifiée par son code de l'époque du Cambodia démocratique, which reported notamment to southwest le secteur 13 leadership. Qui rendait compte à la zone sud-ouest. From this strict dividing of Cambodia into du fait de cette stricte division du Cambodge en zones hiérarchisées, le PCK a pu mettre en œuvre ses politiques criminelles by disseminating en diffusant ses instructions down through par the la hierarchy. Voie de la hiérarchie. This structure cette also structure permettait aussi the CPK au comité central du PCK de contrôler l'état d'avancement des politiques mises en place par les différentes sections. By discouraging formal horizontal ties en décourageant les relations formelles horizontales ou les communications horizontales, le PCK empêchait aussi la création d'alliances qui auraient pu nuire au contrôle qu'il exerçait ou diminuer l'efficacité de la mise en œuvre de ses politiques. En fin de compte, grâce à cet appareil d'État de parti et grâce à cet appareil militaire aussi, a large une part of Cambodia's population was to be subjected to policies of forced movement, forced labor, illegal arrest, detention, inhumane living conditions, torture, and execution. Millions, des millions de. This is a brief forced movement video. Millions of Cambodians were forcibly moved from one part of the country to another. De se déplacer d'une partie du pays the first forced une evacuation within this court's temporal jurisdiction began on 17 April 1975, when the CPK forcibly evacuated Phnom Penh. Lorsque le PCK a procédé à une évacuation forcée de Phnom Penh, Phnom Penh's 2 million inhabitants were driven out of their homes, témoignent de l'euphorie qui régnait au sein des résidents phnompénois au moment où la guerre with little, a cessé. But what they could carry on their backs. Vous voyez, les personnes étaient forcées de partir ici avec ce qu'ils pouvaient transporter. Because the Khmer Rouge made no provisions to feed or shelter the evacuees, literally hundreds of thousands died from exposure, starvation, exhaustion, and disease. These images of a ghost town remained a powerful testament to the determination, efficiency, and ruthlessness of the Khmer Rouge in implementing their policies. A second wave of forced movements occurred in late 1975 through early 1976 that resulted in hundreds of thousands of people being forcibly moved from central and southwestern Cambodia to the northwest zone. Et ce, de manière another forcée, large-scale forced movement être déplacé, occurred in mid-1978 when tens of thousands à la partie of people du were forcibly removed également from the east zone. De population à following grande the takeover of Cambodia by the CPK, d'habitants ont virtually all of Cambodia's population was unlawfully confined to rural cooperatives or government au Cambodge, in eh bien, cooperatives, virtuellement toute la population était confinée, détenue illégalement people dans des coopératives rurales long ou sur des sites contrôlés labor, par l'État. Dans des coopératives, la population a été forcée de travailler dans des conditions inhumaines. On ne donnait pas care. Suffisamment à manger aux personnes, on les forçait à travailler dans des conditions très difficiles, les soins médicaux étaient insuffisants, ces conditions existaient également sur les lieux contrôlés par les lieux de travail
contrôlés par le gouvernement, où des dizaines de milliers de personnes ont été forcées de travailler à de grands projets de construction comme des barrages, des réservoirs, des aéroports et d'autres projets publics. Alors, faisant l'utilisation de tous ces outils de planification et en substituant l'orthodoxie politique à la compétence, le PCK et les dirigeants du PCK ont conduit des dizaines de milliers de travailleurs forcés à mourir d'épuisement, de travail, d'exécution, à des exécutions. Également, ce clip montre est un exemple d'un de ces grands projets. Ici, l'objectif était que le PCK essayait d'éradiquer ce qu'il considérait comme étant ses ennemis. Au début, effectivement, il s'agissait de viser les dirigeants politiques du régime de l'ONOL et les officiers de ces armées. De nombreux d'entre eux ont été exécutés au cours de l'évacuation forcée de Toutes ces personnes expulsées des villes étaient classées comme étant le peuple nouveau et définies comme des ennemis potentiels. Un nombre très important de ces nouveaux peuples ont été tués parce que, étant donné leur déloyauté perçue, d'autres groupes ont été ciblés et ont fait l'objet, ont été la victime de mauvais traitements, ont été maltraités, ont été fait l'objet de tueries. Parmi ces groupes, on peut compter les Vietnamiens, les Cham, d'autres intellectuels cambodgiens, qui ont fait croire qu'ils allaient retourner dans le royaume du Cambodge, Khmer, les bouddhistes et bien d'autres encore. Des centres. Alors, l'ossature de cette persécution était un réseau national de centres de sécurité créé à travers l'ensemble du territoire cambodgien. From the communal prison at the base of the pyramid to S21 at its apex, this center had but one purpose. L'apogée, ce centre ne servait qu'un seul objectif, se débarrasser du régime et des ennemis perçus. La plupart des prisonniers venaient des communes locales ou peut-être des bureaux de sécurité de district où ils étaient systématiquement affamés, on les affamait systématiquement. Les conditions de détention ont duré étaient inhumaines. Les personnes étaient les détenus forcées, étaient envoyées à des travaux forcés, torturées, devaient faire aveu de leurs crimes et devaient donner la liste de leurs complices et étaient par la suite éliminés. Cependant, si les crimes étaient considérés comme ayant des implications graves en termes politiques et pour la sécurité du pays, eh bien, il y avait de grandes chances que ces personnes étaient signalées et passées par la chaîne hiérarchique des centres de sécurité. Et finalement, certains des prisonniers terminaient à S21. C'était ici la fin du voyage pour tous ceux qui étaient tous les infortunés, tous ceux qui étaient suffisamment infortunés pour arriver dans ce centre. Les bureaux de zone, des secteurs, des districts et les bureaux de sécurité recevaient également leurs ordres des niveaux plus élevés. L'objectif était d'arrêter et de livrer les individus qui étaient impliqués, considérés comme des ennemis dans leurs aveux, be tortured until they confessed.
being ces enemies, personnes étaient torturés jusqu'au moment où ils fassent aveu qu'ils étaient des ennemis. Ils étaient forcés de dénoncer leurs amis, leurs collègues, leurs voisins, créant ainsi une nouvelle liste de traîtres to be arrested, arrêtés, tortured, torturés and et écrasés. It was a vicious cycle, il s'agissait ici and the number d'un cycle of victims vicieux, only grew et le nombre de victimes n'a fait qu'augmenter au fil du temps. The DK mass grave site alors map. Voici une carte présentant les charniers dans le Cambodge démocratique. Cette diapositive présente une vue d'ensemble d'une carte d'époque. C'est ici, il s'agit des résultats du travail d'un centre, du centre de documentation du Cambodge, de CECAM. C'est un projet établissant la cartographie des charniers. Mass grave size. Nous voyons ici 386 country, pour les charniers linked à travers l'ensemble du graves, pays. Approximately en liaison 195 à ces charniers, security on centers, trouve ici il y a 200 centres de sécurité qui utilisaient à l'époque ces lieux pour se débarrasser du corps de leurs victimes. Trial, au cours your de ce procès, will meet madame a et messieurs les juges, proof vous rencontrerez un homme qui est la preuve vivante de la hiérarchie stricte qui règne dans le système de détention du Cambodge démocratique. Puisque les identités des témoins sont protégées à l'heure actuelle, nous appellerons KWO1. Le pseudonyme KW1 he was arrested at a rural cooperative la personne dont nous allons parler. Province, cette personne a été arrêtée dans une coopérative detained, dans la région de Battambang, la région rurale du Battambang. Et ensuite, il a été détenu, enchaîné. Il a été tout d'abord détenu au bureau de sécurité de la coopérative. Il a ensuite été transféré au bureau de sécurité du district et à partir de là, il est passé, on l'a envoyé au bureau de sécurité de la zone où il a subi à maintes reprises la torture. Enfin, il a été envoyé à S21, le sommet du DK réseau hiérarchique des offices, bureaux de sécurité du Kampuchea démocratique where he came face to face il with a the rencontré accused. Il s'est retrouvé face à face he à, represents avec l'accusé one of the lucky few il représente of those detained une des personnes qui ont at security suffisamment centers de chance who did not end up éviter in one of these mass graves tout en étant passé par les centres de sécurité et détenu dans ces centres. Your Honours, Madame et Messieurs the les juges, not bien being que Duch with any n'est pas mis en accusation outside pour of S21, les crimes S24 qui sont and survenus à l'extérieur de S21, S24 will et show that les éléments de preuve démontreront que ces crimes widespread and systematic attack partie intégrante population. D'une attaque généralisée systématique sur la population de la population cambodgienne. Telle attaque a conduit à la mort des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants forced labor, starvation, and execution. Causé par des conditions de vie inhumaines, les travaux forcés, and his la fin to et l'exécution. Par sa connaissance de cette attaque, son intention de poursuivre cette attaque par le biais de la commission de crimes pour lesquels il est mis en accusation, Duch, en tant que directeur d'S21, a joué un rôle essentiel dans la mise en œuvre de ces plans, de ces événements. Notably, the CPK's attack notamment on their own l'attaque du PCK sur sa was propre not population only conflict occurring during this period. N'était pas at le same seul time, conflit Cambodia and Vietnam qui est survenu au cours de cette période. En même temps, le Cambodge et le Vietnam étaient engagés dans un conflit armé le long the de la frontière. Ces combats, this conflict s'est intensifié, s'est prolongé pendant Duch l'existence with du Cambodge démocratique. The ce conflit est pertinent vis-à-vis de ce procès parce que Duch
et mise en accusation pour violation des conventions de Genève Vietnamese prisoners of war and civilians découlant de la torture, de traitement inhumain et de meurtre, un domicile intentionnel des prisonniers de guerre et des civils vietnamiens qui étaient envoyés à S21 dans le cadre des conventions de Genève. Les parties d'un conflit armé ont these protections were denied. Certaines mesures de protection. S21, ces mesures de protection faisaient défaut. Et en tant que telles, l'exécution de soldats vietnamiens et civils à S21, en plus de constituer des crimes contre l'humanité, relèvent également de graves violations des conventions de Genève. Au lieu de fournir protection, d'offrir protection à ces hommes, à ces femmes, tels que l'exigent les conventions, torture, Duch a supervisé leur détention, leur torture et leur exécution. The evidence in the case les éléments de preuve versés au dossier démontrent an international armed conflict qu'un conflit between armé Cambodia and Vietnam entre le Cambodge et le Vietnam April 75, a commencé en avril 1975 et s'est intensifié, emporté en intensité tout au long de la période eventually, du Cambodge démocratique. A massive invasion of Cambodia by Vietnamese forces du Cambodge par les in forces December 78 en décembre 78 resulted in the overthrow of the CPK ont eu pour résultat in January le renversement du PCK en janvier 79. Duch was aware of this armed Duch conflict avait connaissance and knew de that ce conflit armé the Vietnamese soldiers and civilians he was receiving qu'il recevait était capturé conflict. Suite et dans le cadre armed de ce conflit video. Armé. Combat between DK donc, and Vietnamese troops les, occurred along the border with Vietnam des, entre les and on islands near the coast of Cambodia sont survenus during le long de la frontière dans les îles également au à partir de 75 et the dans le courant 76, la séquence ici que vous voyez vous montre un this exemple de ces batailles frontalières, de ces in combats. With cette Vietnamese séquence forces. Vous montre des soldats these Khmer Rouge au combat contre des forces vietnamiennes. In intensity c'est, and frequency, as well as ces conflits, in geographical ces combats scope. Se sont intensifiés progressivement there was combat en fréquence along the entire length également of the en termes Cambodia, de leur couverture Vietnam géographique. With armed incursions par by la both suite, sides. Ces combats ont couvert the red line drawn la, on this same DK era map entre le Cambodge et showed le Vietnam, before avec des incursions armées des deux generally côtés. Where donc the clashes la ligne rouge ici occurred vous montre où sont survenus les conflits le long de la in frontière. Early 1977, in early 1977, Vietnamese troops penetrated into Cambodia in the Suai Rieng province. Au Cambodge, in August 1977, the CPK responded with attacks into Vietnam's Tay Ninh province. En allegations les of atrocities committed during DK raids in Vietnam. D'atrocités commises pendant served as backdrop démocr- for a broad Vietnamese offensive in late 1977 to early 1978 when 11 Vietnamese divisions penetrated up to 25 miles into début Cambodia 78, before they divisions ended vietnamiennes their incursion. Ont pénétré jusqu'à 40 kilomètres dans le territoire cambodgien avant de terminer ici la incursion. Cette période a été during most cet événement a été suivi d'une offensive de grande ampleur that culminated et une période de conflit Vietnamese invasion généralisée of Cambodia pendant la in pendant la, December l'année 78 qui a eu pour point d'orgue l'invasion as vietnamienne du Cambodge en décembre 1978. On a compté 100, Cambodia, quelques 150 000 soldats vietnamiens qui ont attaqué le Cambodge
et le gouvernement du PCK s'est effondré avec la capture de Phnom Penh le 7 janvier 1979. The existence lui-même atteste de ce fait l'existence d'un conflit armé et la connaissance de ce conflit par Duch est irréfutable. Madame, messieurs les juges, c'est dans ce contexte de guerre avec le Vietnam et dans le contexte d'une attaque commise par le régime contre la population cambodgienne que le centre S21 a été créé et a ensuite fonctionné. Toutefois, son existence et la portée des crimes qui ont été commis à S21 n'a été révélée que le 14 janvier 1979. Ce jour-là, une avant-garde de l'armée vietnamienne est tombée sur un complexe fortifié à Phnom Penh, apparemment abandonné, et voyez à l'écran ce que ces personnes ont découvert. Madame, messieurs les juges, c'est là un film qui est sans doute assez insoutenable de regarder, et ce n'était pourtant qu'un début. Plus tard, le monde allait savoir quelle était la machine de mort qui avait été créée à S21. La Chambre n'a pas statué sur ce film. Ce film fait l'objet d'une requête, d'un échange entre le procureur et la défense. Je suis extrêmement surpris qu'on se permette de le produire alors que la Chambre n'a pas statué. Permettez-moi, Monsieur le Président, de souligner à mon collègue que s'il avait pris le temps de consulter les vidéos, il aurait constaté que ce vidéo n'est pas celui qui fait l'objet du présent débat devant la Chambre, mais plutôt une vidéo qui est au dossier depuis plus de 2 ans. Alors, si vous permettez, et comme votre ordre l'avait bien expliqué, je permettrai de souligner à mon collègue que vous avez déjà décidé qu'il ne devait pas y avoir d'interruption par les parties lors des opérations, lors des déclarations liminaires, sauf bien sûr celles par la Chambre. Alors, je vous demanderai de bien, s'il vous plaît, indiquer, rappeler ce détail à mon collègue. Monsieur le Président, sauf s'il y a une objection. Et j'ai fait une objection que je maintiens, et si j'entends aujourd'hui que ce film qui était donc au dossier depuis le début sera le même que celui que vous avez voulu présenter au dernier moment, il va quand même falloir, monsieur le procureur, que vous expliquiez à la Chambre pourquoi on a eu droit à tout ce cinéma pour présenter un film nouveau que vous aviez déjà à votre dossier. To present a film that you already had in the record of the case or before that. President, please, the co-prosecutor to respond. Avec votre permission. D'abord, je m'objecte à répondre. Au terme de cinéma qui, je crois, n'a pas sa place dans une cour de justice qui est occupée à un objet si important que celui de rendre justice aux victimes de S21. Nous avons présenté depuis le début, depuis 2007, une importante quantité de preuves qui est au dossier. Dans ce vidéo, comme je l'indique, et donc qui, quant à moi, rend l'objection de mon collègue sans objet. Et d'autre part, quant au débat qui devrait se faire sur les preuves, elles se feront lors du procès,
lorsque le parti aura le droit de présenter divers arguments. En attendant, je rappelle encore votre ordonnance qui indique clairement que les déclarations liminaires ne doivent pas être interrompues par les parties, ne serait-ce que pour l'apparence que justice doit être rendue. Merci. President, the co-prosecutor can clarify it clearly on the video footage which has just been shown and which has been objected by the defense lawyer, whether this video footage is a new video footage or it's the existing one already in the case file and which has only been shown but for your presentation. Thank you, Mr. President. Merci, I can assure you that every single piece of evidence that will be talked about by us today, that will be shown to you on your monitors, have been in the case file, are in the case file, and have been in the case file for, I would say,
90% of them, except for the witness statements, for over 2 years. I submit, Your Honor, that if the defense had any objection to any of these pieces of evidence, it had ample time to exclude or request their exclusion from the case file by putting forward a motion to the co-investigative judge. My learned friend, himself an expert in the civil law system, knows that full well. Barring that, and I note that the rules say that they are barred from doing this now by the closing order's finality, barring that, all the evidence that is in the case file, and as Your Honor, I've so clearly stated it during pretrial conference, all the evidence in the case file can be referred to by the parties. It is after that up to you to decide what evidence you need to base your judgment on and to weigh that evidence accordingly. So again, to clarify, all the evidence that we will be referring to today is in the case file. President, Judge Cartwright, please. Madame Cartwright, your country. Yes, thank you, Mr. Petit. However, the trial chamber would like to know if this video footage, which you say has been on the case file for a considerable period, is the same video footage as that which is the subject of an application before the chamber, an application that has not yet been determined. Thank you. I wasn't listening to the translation. I was trying to enhance your voice. No. The short answer is no. Those films are different. We can, if you want, show you right now the difference in those. That will, of course, take up the court's time. But I assure you that we are very much mindful, as co-prosecutors, of the obligation of our office and will respect the court's judgment until it is rendered. So, no. Les juges lorsqu'ils la rendront. Donc, pour répondre à votre question, non. The lawyer Casavot. Maître Casavot, vous souhaitez intervenir? Casavot, Your Honor, Mr. President. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. In point four, the brief statement and submission. In this submission, the President, in this proceeding, the co-prosecutors would make the opening statement, and there is no rules or any regulation to show which evidence the co-prosecutors can present during this brief statement. Thank you. Mr. President. Comme par hasard, il s'agit d'un document qui n'a pas été débattu à l'instruction. Nous avons passé une année avec les coprocureurs dans le bureau des juges d'instruction. J'ai toujours demandé que les éléments du dossier soient débattus contradictoirement devant les juges d'instruction. Et je dis qu'il aurait été équitable qu'avant de présenter ce film, qui apparemment est un tout point identique à celui qui est en discussion devant vous, c'est-à-dire un deuxième film, il aurait donc été équitable que dans le cadre de... Pardon. Il n'y a pas de traduction. Just to find out whether the English translation is working, this is the English channel. Je disais donc, alors qu'il y a 16 000 documents dans le dossier,
Il aurait été équitable que pendant l'instruction, les procureurs demandent qu'ils soient débattus contradictoirement des documents qu'ils entendaient présenter à l'audience. Pardon. The President, we please wait for a moment while we sort out the translation issue. Voilà. Mr. President, please, the defense lawyer, you can continue. Je reprends. Nous avons eu donc un an et demi d'instruction. Nous avons débattu pendant un an et demi d'instruction des documents. The President, may the IT people please sort out the interpretation issue. Thank you. Que les personnels informatiques vérifient les installations. Testing the English channel. Français, est-ce qu'on entend le canal français? President, may the defense lawyer continue. Maître Roux, je vous en prie, veuillez reprendre. Bien. Mr. Roux. Very well. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Je disais donc que nous avons eu un an et demi d'instructions contradictoires avec le bureau des procureurs. Un certain nombre de documents ont été débattus contradictoirement pendant l'instruction. Un certain nombre n'ont pas été débattus contradictoirement. Quelques jours avant le début de ce procès, les coprocureurs nous ont annoncé avoir trouvé un document exceptionnel dont ils voulaient absolument qu'il soit produit. Et qu'est-ce que nous découvrons aujourd'hui? Qu'ils avaient dans leur dossier et qu'ils n'ont pas débattu contradictoirement à l'instruction le même document, ou du moins un document qui dit la même chose. Je dis que ça n'est pas comme ça qu'on fait un procès équitable. Mais je dis que le minimum, si le procureur veut dans cette audience utiliser des documents qui n'ont pas été débattus contradictoirement devant les juges d'instruction, le minimum, c'est de prévenir la défense avant. Il y a 17 000 documents. Il y a 17 000 documents. Comment voulez-vous que la défense puisse se préparer convenablement si au dernier moment on sort des documents qui n'ont pas été débattus contradictoirement à l'instruction sans indiquer ni à la défense ni à la Chambre quels sont ces documents, sans indiquer ni à la Chambre ni à la défense que le document qu'on va montrer est en fait quasiment le même que celui qu'on a voulu apporter au dernier moment, c'est-à-dire un film qui présenterait S21. On ne nous a même pas dit tout à l'heure en présentant ce document qu'est-ce que c'était. On nous a montré des images de S21, on ne vous a pas dit qui a tourné ce film, dans quelles circonstances. On vous projette des images comme ça. Et on vous dit seulement, ça fait partie du dossier depuis 2 ans. Ça n'a pas été débattu à l'instruction et nous sommes dans une procédure où normalement tout est débattu à l'instruction. Je vous remercie. Before this chamber, everything is discussed adversarially at the investigation stage. Thank you. I apologize to prolong this debate. Monsieur Petit.
However, I think it's my duty to correct so many misrepresentations. First of all, it is not our file. It is the court's file. It is the investigative judge's file. It is now your file. In that file, there is not 16,000 or 17,000 documents. There is, in actual fact, 2,900 documents. All of those documents, save for the few added during the investigative phase or the witness statements, have been referred to specifically by the co-prosecutor as supporting our allegations in the initial submission filed in July 2007. I have no doubt that my learned friend, so experienced in international crimes, must have read this initial submission attentively, must have looked at all the pieces of evidence we have referred to almost 2 years ago as being relevant, as being susceptible of being brought forward by the co-prosecutors to support these allegations. So I am a bit confused about this apparent surprise now of the defense as to what we deem to be the relevant evidence. Now, if I understand the gist of the most of the intervention, this is about this video. As I said, we can show the two videos. You can see that they represent different scenes. However, we are talking about S21. Is the defense now telling us that every time we talk about S21, we can only talk about it once, show only one piece of evidence, to restrict your consideration of the evidence that is in the case file? Does the defense presume to tell you, to tell us, what the parties can refer to in the case file? I don't think. I hope. It's not the intervention of the defense to support that contention. So again, I would request that we may proceed. Of course, being credited for the amount of time we have spent debating this issue, and that we may go forward with this trial. Thank you. En conséquence, de sorte que le procès puisse et l'audience puisse se poursuivre. Merci.
the President, after having listened to the objections, après avoir entendu les objections by Mr. François Roux, the defense lawyers of the accused, avocat de la défense, on the showing of the concernant la projection film footage, at the same time with the clarification and the response from the co-prosecutor par les co-procureurs regarding the objection, the trial chamber la chambre de première instance considers the objection by the defense lawyer is inappropriate, and the trial chamber will allow the co-prosecutor to continue the brief opening statement as planned. Comme prévu. Please. Je vous en prie, Madame la co-procureure. The co-prosecutor. Thank you, Your Honor. Je vous remercie. Let me continue with your permission. Messieurs les juges, bien, nous allons poursuivre avec votre permission. Your Honors. Madame et Messieurs les juges. As difficult as that video is to watch, cette it vidéo was only the beginning. Dure. Eventually, regarder, the world would have to acknowledge the machinery of death that was S21 and its crucial role finalement, in the le sufferings monde allait reconnaître of la machine the Cambodian de mort people. S21 et son rôle crucial However, dans les souffrances du peuple cambodgien. Before we look Cependant, at some of the evidence avant of the crimes certains des éléments de preuve committed des crimes at S21, à S21, let's clarify first its permettez-moi tout d'abord physical de clarifier and organizational structure. La manière dont S21 était organisé, tout d'abord physiquement, puis en termes de structure organisationnelle. S21 comprenait une enceinte principale. Surrounding that compound, les subordinate forced labor zones camp adjacentes Presol, entourant cette enceinte known constituaient as un camp de travail forcé. As well as a main execution and Donc, burial site également, located comprenant Pressard, connu sous le nom de S24, également un centre, un site principal d'exécution et un site looking at this map of Phnom Penh and the surrounding corps, areas, à savoir Chung Hek, we can see nous voyons a ici green cette carte box d'ici de Phnom Penh in the upper right et de la zone environnante corner. Et nous pouvons voir là, this is dans la where case the main 20, ici en haut à droite, compound nous avons l'enceinte located. Principale de S21 que vous pouvez the voir blue box. La south boîte and below bleue S21 au sud et en dessous d'S21, eh bien c'est Chung Hek, the place c'est where l'endroit most où la plupart des prisonniers de des détenus d'S21 ont été exécutés et où repose leur corps. The red box west of Chung Hek, la case in la the boîte lower rouge left que hand vous corner que vous voyez ici is à l'ouest de Chung Hek. S24 was located gauche, in the area surrounding an old colonial prison and operated entourant as une a re-education un facility de l'époque coloniale and forced et labor camp. Dirigé, all of these locations de were within the hierarchy de centres de rééducation et de camps de travail forcé. And controlled by Duch as chairman of S21. Relevé de la hiérarchie d'S21 et était contrôlé par Duch en tant que directeur d'S21. Alors voici une carte de Phnom Penh datant des années 60 et nous pouvons voir ici la zone qu'occupait S21 en plus de dans le menu détail ici. La zone rouge était constituée par l'enceinte principale d'S21 et c'est désormais devenu, c'est ce qui est désormais devenu le musée du génocide de Tuol Seng. La zone jaune entourait cette enceinte qui était contrôlée par et faisait partie d'S21. Cette zone comprenait de nombreux bâtiments essentiels au fonctionnement d'S21. Ces bâtiments comprenaient des maisons qui étaient
consacrée aux interrogatoires, séances de torture, une prison spéciale où se trouvaient des détenus importants, un bâtiment où arrivaient les détenus, un certain nombre de sites d'exécution, de charniers, des messes pour le personnel des 21, des entrepôts, des checkpoints pour les gardes avec des guérites, des maisons pour loger le personnel des 21, comprenant un certain nombre de maisons utilisées par Duch tout au long de la période pendant laquelle il a dirigé S21. S21 couvrait approximativement une zone comprise entre le boulevard Mao Tse-Tung au sud, le boulevard Monivong à l'est, le boulevard Sihanouk au nord et la rue 163 à l'ouest. Certains de ces sites, ici à l'extérieur de l'enceinte principale d'S21, eh bien, on peut les voir ici à la lecture de cette carte, de cette vue aérienne de cette zone. Si on regarde un peu plus près l'enceinte principale, on peut voir cinq bâtiments principaux désignés par les lettres ABC, D et E. Le bâtiment E, eh bien, c'est là où se trouvaient les prisonniers. C'était là où les prisonniers étaient photographiés et où générer une biographie et ce qui faisait partie du processus d'enregistrement des détenus. Le bâtiment E, eh bien, c'était là où les détenus étaient amenés aux différents bâtiments, à partir de là où étaient amenés les détenus aux différents bâtiments ABCD, où se trouvaient les cellules. Les prisonniers importants étaient placés dans le bâtiment A. Les cellules dans le bâtiment A étaient plus importantes en taille que celles dans le bâtiment B, C et D. Et c'est là où, d'habitude, on trouvait des prisonniers moins importants qui étaient isolés. Les bâtiments B, C et D étaient utilisés en tant que centre de lieu de détention pour les détenus ordinaires et consistaient à des salles où étaient mis ensemble, détenus ensemble, les détenus, ainsi que des salles, des cellules plus petites pour des détenus où ils étaient maintenus ou confinés en isolation. Donc, à tout moment, ces différents sites pouvaient accueillir des centaines de prisonniers. Donc, permettez-moi maintenant de revenir sur l'enceinte principale des 21. Ici, nous sommes ici en présence de crimes qualifiés dans l'ordonnance de renvoi mettant en valeur la détention illégale, le traitement inhumain, la torture, l'exécution. Ce sont des faits corroborés par les qualifications, ce sont des faits irréfutables qu'on ne peut à peine croire. Les victimes amenées à S21 étaient arrêtées par les Khmer Rouge armés, mis dans des camions où on leur faisait croire qu'ils avaient rendez-vous aux portes. On les trompait et ensuite ils étaient arrêtés. Le système judiciaire ayant été aboli, les victimes n'étaient pas informées des chefs d'accusation qui leur étaient reprochés. On leur donnait encore moins la possibilité de répondre de ces chefs d'accusation. Ils n'avaient pas la possibilité de parler à un conseil, un avocat ou personne ne jugeait ou ne pouvait entendre leur plaidoirie. Chaque arrestation était illégale et tous ces prisonniers étaient illégalement détenus. Et l'accusé lui-même a reconnu qu'il n'y avait pas de sursis à accorder, sauf la mort. Les prisonniers qui arrivaient à S21 arrivaient à S21 de l'ensemble du territoire du Cambodge démocratique. Vous entendrez du témoin KW09 qui était responsable de garder et transporter les prisonniers
années 2021, que les victimes venaient de partout et comprenaient des personnes venant de toutes les classes de la société, des cadres les plus élevés jusqu'au peuple. La majorité des prisonniers ont été arrêtés par leurs unités et ensuite transférés à S21, de temps en temps, en étroite coordination avec l'accusé. Le personnel d'S21 participe activement à l'arrestation des personnes, comme pourra le témoigner le témoin KW09. Quelquefois, ils nous ordonnaient de les arrêter nous-mêmes dans des véhicules d'S21. Enfin, pour certaines cibles, pour certaines cibles importantes, eh bien, on utilisait la ruse pour attirer la victime à proximité des 21 ou l'arrêter. Les détenus entraient tous les jours à S21. De nouveaux détenus arrivaient toujours à S21. D'habitude, les victimes descendaient des camions et ensuite on les gardait, on les plaçait de manière temporaire dans des maisons à l'extérieur de l'enceinte principale. Les prisonniers étaient ensuite, on leur bandait les yeux, on les attachait avant de les amener dans l'enceinte principale. Les témoins KW10 et KW11, d'anciens gardes d'S21, décrivent la manière dont les détenus arrivés dans l'enceinte principale. Ces détenus étaient menottés et avaient les yeux bandés. Le célèbre artiste cambodgien et survivant des 21, M. Van Nath, a illustré dans ses tableaux ces descriptions fortes évocatrices de cette arrivée, de ces arrivées. Pour la victime, le bâtiment E était en fait l'endroit, la première étape dans le processus d'arrivée ici. Le témoin KW7 enregistrait l'entrée de chaque détenu et ensuite poser un ensemble de questions aux détenus, alors portant sur leur nom, leur lieu de naissance et leur fonction, de manière à créer une brève biographie. Les prisonniers étaient ensuite, une photo d'identité était prise des détenus par des photographes d'S21, comprenant le témoin KW16. Donc le photographe allait, la photographie était ensuite développée et jointe à la biographie, comme le confirmera au moment du procès le témoin KW07 et 16. L'arrivée des prisonniers était ensuite enregistrée dans une liste des prisonniers et ensuite, lors de l'exécution, l'exécution était également enregistrée dans un journal d'exécution. Donc, personne ne savait également exactement combien de victimes ont pu passer à travers ce processus de traitement des détenus à leur arrivée. Nous avons disposons de plus de 5000 photos, photographies d'identité des prisonniers qui nous sont parvenus. Ainsi que des quantités énormes de listes de prisonniers et de listes d'exécution. Cette photo en est un exemple. Et ici, voici un exemple de biographie avec une photo que l'on voit apparaître en haut à droite. Et donc, c'est ici la biographie de Fea Cheer, alias Sour. Cette biographie contient des informations sur la personne, son lieu de naissance, son âge, le nom de ses parents, et on indique ici la date de son arrestation. On voit qu'il travaillait au bureau de commerce international. Il est arrêté au ministère du commerce, et donc le 2 février 1977. Une fois que ce processus d'enregistrement était terminé, les gardes emmenaient le détenu au bâtiment E à leur cellule. KW21, un ancien garde de S21, témoignera que les nouveaux arrivés à S21 étaient ordonnés et enjoints de
d'enlever leurs vêtements. Et à ce moment-là, les maris et les femmes qui avaient été arrêtés étaient séparés et pour ne jamais plus se revoir. De cette manière, Sepik-Six a vu pour la dernière fois sa femme vivante. Et jusqu'à ce jour, tout ce qui lui reste de sa famille, bien, c'est une photographie prise à S21 de sa femme. De très jeunes enfants étaient autorisés à rester avec leur mère. Cependant, de manière à faciliter leur détention jusqu'à ce que, à leur tour, ils étaient exécutés. Le numéro de cellule de chaque prisonnier était ensuite enregistré par le témoin KW7, de manière à ce que les détenus puissent être facilement trouvés par les interrogateurs. Ensuite, un prisonnier female prisoners were often kept on the ground floor of building C. Et ensuite, le type de cellule où étaient enfermés les détenus dépendait du sexe, de la nationalité, de l'importance du prisonnier. Les détenus de sexe féminin étaient souvent détenus dans le bâtiment C au rez-de-chaussée, le bâtiment A à l'extérieur de l'enceinte principale était connu sous le nom de prison spéciale qui était prévue pour les détenus important, des étrangers ont également été séparés des Cambodgiens. Par ailleurs, les détenus interrogés étaient séparés des autres détenus en attente d'interrogatoire. Les prisonniers étaient souvent détenus dans des cellules individuelles avant leur interrogatoire. Et ensuite passer dans une salle de détention plus grande, une salle de groupe, une fois que leur interrogatoire terminé, en attente de leur exécution. Et l'indication la plus claire, probablement, de la fonction première des S21 et de son statut au sein de l'appareil de sécurité peut être constatée par les, lorsqu'on regarde les types de détenus qui ont été envoyés à S21. Ce tableau montre les résultats de deux listes combinées. Une liste combinée de détenus a été créée en fusionnant deux listes. La première liste comprenait 9805 personnes qui ont été exécutées à S21 et la deuxième contient une liste de 4186 personnes arrêtées et envoyées à S21. Ces listes ont été compilées par le Documentation Center of Cambodia, DCCAM, et se base sur des documents originaux, des listes de détenus et de journaux d'exécution trouvés à S21. Notre bureau a combiné les listes deux listes de prisonniers et a éliminé les doublons. Le résultat était cette liste de combinée des détenus de S21 qui contient les noms de 12380 victimes de S21. Il s'agit ici de la liste la plus complète des figurant le nombre de victimes de S21 qui a pu être compilée. Et l'accusé a reconnu que, dans les grandes lignes, ces listes sont précise, exacte, et que, en vérité, le nombre de victimes est plus élevé. Et en fait, d'après ce que nous savons, je dirais que ces listes nous informent dans les grandes lignes du nombre de personnes et de ceux qui ont péri à S21. Comme le montre ce tableau, 78% des détenus de S21 venaient soit de bureau gouvernement du Cambodge démocratique ou d'unité militaire. 4% des détenus ont été décrits comme étant les femmes de cadres arrêtées. En gros, 3% des détenus ont été identifiés comme étant des Vietnamiens. Les 15% restants des détenus des S21
eh bien, soldiers, composé, était composé d'un mélange de personnes appartenant au nouveau peuple, d'anciens soldats, d'anciens responsables de la République Khmer, des personnes décrites comme appartenant à l'ethnicité chinoise, des intellectuels, un petit nombre d'étrangers venant d'Australie, de France, d'Inde, du Laos, de Nouvelle-Zélande, du Pakistan, de la Thaïlande, du Royaume-Uni et des États-Unis, ainsi qu'un nombre d'entrées trop vagues pour permettre toute catégorisation. Les informations figurant dans cette liste combinée de détenus des internes indiquent qu'environ 70% des détenus étaient de sexe masculin et que l'âge moyen des prisonniers était de 29 ans, bien que ceci puisse être élevé, ce chiffre puisse être élevé puisque par rapport à la réalité, puisque les enfants n'étaient pas comptés dans les journaux tenus à S21, les entrées tenues à S21. En moyenne, un prisonnier s'est détenu pendant une période de 61 jours avant son exécution. Selon cette liste combinée des détenus, on voit que des cadres S21, que parmi les détenus S21, on trouvait des cadres S21. Au moins 190 détenus figurant sur cette liste peuvent être identifiés clairement comme étant d'anciens cadres, membres du personnel D'S21. Donc, en visant ses propres cadres et ses propres soldats, la fonction primaire des 21 est très claire. Se débarrasser de, pour le parti, se débarrasser de ses ennemis, qui, selon le slogan Khmer Rouge, creusait de l'intérieur en tuant les époux, les enfants des ennemis, les Khmer Rouges, s'assurer que toute trace d'opposition soit effacée. Cette liste illustre également illustre également le rôle joué par S21 dans l'attaque généralisée systématique qui a eu lieu à travers l'ensemble du territoire cambodgien en avril 1978. Une purge très bien documentée de la zone Est a été ordonnée par les dirigeants Khmer Rouge. Ce tableau montre également la ventilation des détenus venant de la zone Est ce mois-ci. Comme vous pouvez le constater, le nombre de membres du personnel arrivant, entrant à S21 de la zone Est était, je dirais, très faible jusqu'en avril 1978, au moment où soudain le nombre de ces personnes a explosé. Près de 1000 prisonniers sont entrés, 1000 détenus sont entrés à S21 de la zone Est pendant les mois d'avril, mai et juin 1978. Clairement, ceci démontre les crimes commis par l'accusé à S21 qui faisaient partie intégrante de l'attaque généralisée systématique sur la population cambodgienne. Un autre fait est certain, tant qu'un prisonnier était détenu à S21, ce détenu, homme ou femme, connaissait des conditions d'étention inhumaines. Les prisonniers n'avaient pas suffisamment de nourriture, pas suffisamment d'eau, pas suffisamment de soins médicaux et n'étaient retirés de leurs cellules insalubres et surpeuplées que pour être torturés et exécutés. Les prisonniers étaient enchaînés ensemble dans des cellules trop petites et surpeuplées. Le témoin KW10 dira que les prisonniers détenus dans les bâtiments B et C étaient enchaînés et menottés ensemble par groupes de 10 personnes qui dormaient le long qui dormaient alignés dans la pièce, jambes contre jambes. Le témoin KW15 lui dira que les prisonniers étaient enchaînés à une barre d'environ 70
who had been tortured de long, et que même ceux qui avaient été torturés n'avaient pas de coussin ou de nattes pour dormir. Les rations alimentaires qui étaient servies à S21 étaient complètement inadéquates. Le témoin KW09, un ancien garde, dira que les détenus de S21 recevaient deux rations de gruau par jour et que ce repas était distribué aux prisonniers alors que ceux-ci restaient enchaînés dans leurs cellules. Le témoin KW10 dira comment les prisonniers recevaient même parfois moins à manger. Le repas pouvait consister en une cuillerée en une louche de riz ou de soupe et sans aucune viande ou poisson pour accompagner. La privation de rations alimentaires déjà maigres était aussi utilisée comme forme de punition. Les détenus de S21 étaient aussi assujettis à des conditions manquant totalement d'hygiène. Le témoin KW15, ancien garde de S21, nous dira que les prisonniers n'étaient pas autorisés à quitter leurs cellules pour se soulager. Au lieu de cela, les prisonniers devaient se soulager dans un pot ou dans une boîte à munitions et ces contenants restaient dans la cellule jusqu'à ce qu'un garde vienne les emporter. Les détenus de S21 étaient donc maintenus dans des conditions les plus dégradantes imaginables. Les témoins KW15 et KW21 diront la puanteur insoutenable qui régnait dans la prison, car les prisonniers n'étaient pas autorisés à se laver. Ces témoins diront comment les gardes entraient dans les cellules une fois tous les 7 ou 10 jours, ordonner aux détenus de retirer leurs pantalons, seules pièces de vêtements qu'ils avaient, et jeter sur eux des seaux d'eau alors qu'ils étaient toujours enchaînés ensemble à des barres de fer. À S21, les traitements médicaux étaient également inadéquats. Pour commencer, le personnel médical était mal formé. Le témoin KW20 n'était qu'un enfant. À l'époque, il n'avait aucune formation médicale, il était illettré. Et pourtant, au moment où il a quitté S21, le personnel médical consistait uniquement en enfants, car tous les adultes avaient entre-temps été arrêtés et exécutés. Outre que ce personnel médical était mal formé, il ne disposait pas des équipements ou médicaux nécessaires pour pouvoir soigner des personnes torturées. Et dans bien des cas, il ne pouvait que nettoyer les plaies avec de l'iode, une solution saline. Cela était insuffisant car, comme le dira le témoin KW20, les détenus qui avaient été torturés avaient parfois des blessures sur le dos, les bras et le corps, ainsi que de graves blessures à la tête, parfois aussi leurs doigts ou ongles avaient été arrachés. Enfin, ces traitements médicaux ne servaient qu'à maintenir les détenus en vie afin de les interroger, de les torturer davantage encore. Le témoin KW19, ancien membre du personnel médical de S21, dira qu'il a reçu comme instruction expresse de soigner les prisonniers importants après leur interrogatoire de sorte qu'ils soient aptes à subir un nouvel interrogatoire. De toute évidence, les détenus vivaient tous dans la peur constante de la torture ou de la mort. Et il n'est pas surprenant que des détenus aient régulièrement essayé de se tuer pour échapper à ces conditions inhumaines. Le témoin KW15, ancien garde à S21, a raconté comment les gardes, au début de leur tour de
service inspecter les prisonniers dans leurs cellules pour s'assurer qu'ils ne cachaient pas de clous, d'aiguilles ou d'autres instruments dont ils auraient pu faire usage pour se suicider. Witness KW10, le témoin KW10, ancien garde à S21, dira que certains prisonniers de S21 ont néanmoins réussi à se suicider. Et à l'occasion de son témoignage, il rappellera les mesures extrêmes que prenaient les prisonniers pour se tuer, par exemple se frapper soi-même avec un stylo ou un crayon, couper avec des éclats de verre, se brûler avec des lanternes ou encore sauter des étages supérieurs de la prison. Peut-être que ces illustrations que vous voyez maintenant à l'écran aideront à mieux comprendre. Voici une photo qui a été prise par un photographe de S21 à l'intérieur d'une des cellules collectives. Vous pouvez clairement voir les prisonniers dans la cellule à l'arrière-plan et qui sont étendus sur le sol en rangée. Voici aussi une peinture, œuvre de Van Nutt, qui montre l'intérieur d'une cellule collective. Et ici, vous voyez une photo d'une de ces cellules dans leur apparence actuelle. Cette photographie d'un prisonnier de S21 a été prise à l'intérieur d'une des petites cellules qui existaient dans les bâtiments B, C et D. À gauche et à droite, vous pouvez voir le mur de briques grossiers qui a été érigé pour diviser les grandes salles en petites cellules. Cette peinture du cette peinture est un autoportrait de Van Nutt dans une de ses petites cellules. Et sur cette photo, vous voyez à quel point ces petites cellules étaient proches les unes des autres. However, many days a detainee did spend at S21, there can be no doubt that every minute of those days was spent under inhumane conditions. Next, I would like to request that my colleague je voudrais m'arrêter là, dit la coprocureure, et donner la parole à mon confrère pour qu'il procède à la suite de l'exposé. Le président, nous allons faire une suspension de séance de 20 minutes. Nous reprendrons donc à 11h. I would like all the audience and participants to come back before. Je demande donc à tous les participants et au public de revenir occuper leur siège avant 11h.